C'est pas comme ça qu'on mange une banane, Marie. C'est pas comme ça qu'on mange une banane. C'est pas excitant comme ça. Une banane, ça doit être excitant quand tu la manges. Sinon, tu la manges pas de la bonne façon. Ah si, l'équipe est chaude direct. Ah ouais, d'accord. Il a enregistré. Salut, moi c'est Matt. Et moi, c'est Letty. Ensemble, nous avons pris pas loin d'un an pour aménager notre van 4x4 Bubble qui nous emmène depuis avril 2021 sur les routes d'Europe. Passionnés de parapente, kitesurf, randonnée et base jump, ce sont donc nos activités ainsi que la météo et les rencontres qui guident notre périple. Envie de voir de belles images ou de découvrir de nouveaux endroits pour un voyage? Alors suis-nous sur mer, sur terre ou dans les airs. Salut, il est 4h15 et on vient de se réveiller pour aller à Castello. Et ça pique le réveil ce matin, ça pique. Et hop, 8h44. Hop, 9h58. Hop, ta gueule. Che posso fare questo salto? E anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni? Vi conviene stare zitti e buoni? Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto, tipo scalatori. Quindi scusa, mamma, se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa. Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa. Ah, le saut! Puis pour être très honnête avec vous, moi j'étais pas prêt à cette aventure, je m'attendais pas à venir dans les Dolomites. Marie nous a proposé de rejoindre l'aventure. On a saisi l'occasion et ben voilà, l'aventure est assez prenante, plein d'émotions. Et je vous avoue que j'en ai chié, j'en chie tous les jours. Et j'ai eu très peur. Parce que je suis une petite chatte avec un mental de chips. Donc voilà, je vous laisse découvrir la suite de l'aventure. Je vous ai connu.
puis voilà, dans les Dolomites, ben, vu qu'on est en montagne et que ben, dans les montagnes il faut se lever tôt et que quand on fait du base, ben, il faut se lever encore plus tôt, et ben le rythme des journées c'est on se lève à 4h, on commence la rando à 4h et après ferrata ou le bout d'escalade ou le bout de chemin un petit peu alpi, un peu expo, pas trop. Bref, pour y en a, c'est facile, c'est la rando. Pour moi, j'en ai chié à chaque sortie, ou presque. Voilà, et puis voilà. Une fois qu'on a fait notre journée, notre petit saut, ben c'est sieste, et puis le lendemain, on recommence. Voilà, c'est un petit peu le rythme des Dolomites. 1000 mètres de dénivelé en moyenne par jour, à peu près, un peu moins, un peu plus, ça dépend des jours. Des fois, on se dit, tiens, si on faisait plutôt presque 2000, et à certains jours, c'est repos, on fait que 500. Ça va, 500, c'est rando, quoi. Voilà. Dans ce genre de moment où on a la petite voix de Tim dans la tête qui nous dit « Mais si tu tombes, tu meurs dans l'atroce souffrance. » Ça va. Et ben moi je vous le dis, on fait peut-être pas les randonnées classiques des Dolomites, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Merci les base jumpers pour ces magnifiques itinéraires et ces paysages oufissimes. Ça vaut quand même la peine de se lever à 4h du mat pour avoir le lever de soleil et des paysages aussi beaux, et surtout avec très très peu de monde, voire personne. La majorité de l'équipe a besoin d'un petit jour de repos, mais quelques motivés vont faire l'ascension de Tofana di Roses avant que tout le monde se dirige pour l'apothéose du trip, la Cimada Grande des Trecimé.
Nous voilà arrivés au camp de base, au pied des traits de chimée. Nous allons donc plier nos parachutes, organiser le matériel, organiser les équipes pour l'ascension de demain. L'objectif, c'est de partir tôt demain matin parce que, comme vous avez pu le voir, c'est aussi nuageux et les prévisions nous donnent un créneau jusqu'à avant midi. Donc, sans surprise, on va se lever tôt. C'est à cause de Romain. Pas t'équiper toi. Nous voilà enfin arrivés au bout des 700 mètres d'ascension et j'espère que vous avez apprécié la vue autant que nous. C'est qui va? On sent mon petit. Et voilà, les Dolomites étaient déjà finis. Deux semaines imprévues, mais vraiment remplies de moments intenses, de rires, de partages, de belles découvertes. C'était juste génial. Merci, merci, merci. Et on remet ça quand vous voulez. Et maintenant, il est temps de reprendre la route en direction de la Suisse. Rassurez-vous, notre trip ne s'arrête pas là. C'est juste une petite escale intermédiaire. Nous tenons à tous vous remercier pour ces beaux moments de partage et aussi pour les images que vous nous avez transmises qui nous ont permis de faire ce montage. Donc merci à Marie, Luna, Romain, Sam, Mika, Thomas, Ben, Pierre, JC, Olivier, hashtag Jésus, Antoine et Pascal.